عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله عز وجل جميعا وبياكم. En cette soirée du lundi 19 Jumada 2 1429, ce qui concorde avec le 23 juin 2008 بإذنillahi عز وجل. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, dans le 29e cours, dans le 29e cours de la personnalité de la musulmane. Naam, et nous sommes exactement, nous avons terminé le dernier chapitre, sous-chapitre, qui disait, il disait, elle indique le bien aux autres. Et on a vu dans ce chapitre que la musulmane, bien sûr, tout comme le musulman, n'est pas égoïste. Naam, n'est pas égoïste. Et ne laisse pas les choses qui sont bénéfiques pour lui-même, que ce soit des choses de l'au-delà ou bien des choses de cette dunya. Comme moi, naam, on m'a appris cette chose, on m'a montré cette porte qui contient beaucoup de ni'ma et qui s'ouvre sur beaucoup de bienfaits. Je voudrais que ma sœur aussi profite et connaisse cette porte. Et connaisse cette porte et rentre par cette porte pour profiter elle aussi, comme moi, je profite. Maintenant, si c'est une question de l'au-delà, si c'est une question de l'au-delà, et que on est avare, on ne montre pas aux gens ce qui a rapport avec l'au-delà, ce qui rapproche d'Allah Azza wa Jal, là, ça devient vraiment grave. Là, ça devient vraiment grave, et il n'y a pas pire avare et pire égoïste que une personne pareille, que Allah Azza wa Jal nous en préserve. Aujourd'hui, sixièmement, elle se garde d'abuser ou trahir les autres. La pieuse, la sœur qui est pieuse, se garde d'abuser ou de trahir les autres. J'attends, Inch'Allah Ta'ala, que vous écriviez et je commence. Alhamdulillah. Donc, la musulmane sincère n'est ni fourbe, ni perfide, ni traîtresse vis-à-vis des gens. La fourberie, la perfidie et la trahison sont en effet incompatibles avec la sincérité. Car cette qualité, c'est-à-dire la sincérité, implique loyauté, droiture, fidélité et équité. Tout comme elle exclut la fourberie, le mensonge, la tromperie et la perfidie. De par sa nature sincère et imprégnée des principes de l'islam, la musulmane répugne à avoir ces comportements répréhensibles, car elle y voit des signes alarmants qui menacent son appartenance même à l'islam. Alors qu'en est-il son appartenance au minhaj des salaf salih? Même, naam, l'appartenance à l'islam, naam, yani, commence à avoir des problèmes. Qu'en est-il maintenant à l'appartenance au manhaj salaf salih? Et bien sûr, on ne dit pas des takfiriyun, on ne dit pas quiconque qui n'est pas sincère est kafira, ma'adallah, naam. Mais, naam, ça joue un rôle dans l'islam, naam. Et ça amochit son islam. Imam Muslim, rahimahullah, rapporte à ce sujet que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui lève les armes contre nous n'est pas des nôtres. Celui qui nous abuse
n'est également pas des nôtres. Voir Sharh Sahih Muslim, volume 2, page 108. Naam, volume 2, page 108. L'imam Muslim, rahimahullah, rapporte aussi qu'un jour, alors que le messager, alors qu'il était de passage devant un tas d'aliments destinés à la vente, alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il introduisit sa main dans le tas. Naam, par exemple, un tas de semoule, par exemple. Il a introduit sa main à l'intérieur et il découvrit de ses doigts une certaine humidité. Il dit alors au vendeur, qu'est-ce que c'est que ça, ô propriétaire de ces aliments? Celui-ci répondit, c'est le fait de la pluie, ô messager d'Allah. C'est pas de ma faute, c'est la pluie qui est tombée et elle a humidifié, yani cette semoule par exemple. Naam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu aurais dû le mettre par-dessus pour que les gens puissent le constater. Celui qui abuse autrui n'est pas des nôtres. Naam. Celui qui abuse autrui n'est pas des nôtres. Sharh Sahih Muslim, volume 2, page 108. Vous voyez que cette personne vendait, par exemple, de la semoule. Mais, naam, la semoule n'a pas voulu la mettre, yani, comme ça, visible. Naam, elle était en bas. Peut-être que ce n'est pas de sa faute. Peut-être que lui aussi ne savait pas. Mais le messager d'Allah lui a dit, naam, tu devrais, enfin, si tu savais ça, bien sûr, tu devrais montrer cette chose aux gens. Comme ça, naam, celui qui voit, il est libre, il l'achète ou il n'achète pas. Et ce n'est pas, on achète une chose et quand on arrive à la maison, on trouve quoi? On trouve que c'est tout autre chose. Naam, vous sentez ce que sent quelqu'un et peut-être la moindre des choses, il va faire des doigts contre cette personne. Naam. Et ce qu'a dit ici le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, s'applique en général à toute personne qui abuse d'une autre. Et en particulier à ceux qui vendent. Naam, à ceux qui vendent. Que toute personne qui s'adonne à la vente, naam, et au commerce, naam, qu'elle n'oublie pas que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de la surveiller. Et que tu peux cacher des défauts aux gens, mais Allah ta'ala, tu ne peux pas lui cacher des défauts. Il sait si tu as été sincère ou pas. D'ailleurs, le hadith de Bukhari, il y a un hadith dans Bukhari, je vais vous donner son sens à peu près, naam, il est authentique. Où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand deux personnes se vendent, ça veut dire une personne vend et l'autre achète. Il a dit, s'il montre, c'est-à-dire les défauts, naam, et sadaqa, ils disent la vérité, naam, alors Allah ta'ala va leur faire la baraka, il va bénir cette vente. Et il a dit, et s'ils cachent, ils cachent les défauts, et montent, ne disent pas la vérité, Allah ta'ala ne va pas faire la baraka, il va enlever la baraka. Alors tu vas remarquer que quand tu vends une chose, même si elle n'est pas chère, et tu as été sincère, naam, avec les 10 euros que tu as maintenant dans ta poche, naam, Allah Ta'ala va te faire la baraka, parce que tu as été sincère, tu as montré les défauts, et tu vas voir que ces 10 euros vont t'acheter beaucoup de choses. Et l'autre qui a vendu avec 100 euros, en cachant les défauts et en montant, il va voir que les 100 euros, naam, yani, il ne va rien y acheter avec. Pourquoi Allah Ta'ala va lui enlever la baraka? Et il va dire, subhanallah, j'avais 100 euros, j'avais 1000 euros, je ne sais pas où ils sont passés. Je n'ai rien acheté, je ne me rappelle même pas ce que j'ai acheté. Naam, ça, c'est la punition d'Allah Azza wa Jal, parce qu'il t'a enlevé la baraka et tu ne sais pas. Et l'autre avec les 10 euros, ils sont, mashallah, ils ne veulent pas se terminer. Naam. Donc, naam, c'est comme ça, quand une personne naam, veut vendre une chose, elle doit montrer ses défauts. Je vous donne un exemple, c'est très simple. J'aime pas parler de moi, mais c'est venu comme ça, subhanallah l'adhim. Moi, puisque je dois partir chez moi, puisque je dois rentrer en Algérie bientôt, donc je suis, inshallah ta'ala, en train de vendre ma voiture. Il faut que je la vende. Naam. Il n'y a pas une personne qui vienne sans que je lui dise tout ce qu'elle contient comme défaut. À l'extérieur, et les défauts que personne ne peut connaître sauf moi. Au point où les gens me disent, Wallah, tu exagères.
tu lui as tout dit, c'est trop raciste. Pourquoi tu lui dis cette lampe est brûlée, ceci, cela? Oh là, tu exagères. Je dis, moi je suis comme ça ou je ne vends pas. Non, je suis comme ça, je montre tout. Tu achètes ou tu n'achètes pas. Non, Allah Ta'ala, yani, s'il a écrit cette vente, non, la personne viendra, bi'idnillah azza wa jal. Alhamdulillah. Ici, il dit, l'islam range l'abus d'autrui et la trahison parmi les péchés abominables qui rabaissent celui qui les commet dans ce bas monde et lui attire une sombre destinée dans l'autre monde. Naam. Donc, c'est ici et là-bas. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, affirme qu'au jour de la résurrection, un étendard qui attirera vers lui l'attention des autres et qu'un ange le dénoncera à voix haute en désignant son acte de trahison. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Donc il y a deux punitions pour celui qui abuse des autres. Naam. Man ghashana laysa minna. Ghash. Ici la punition d'ici-bas, c'est quoi? C'est Allah Ta'ala ne va pas bénir cette vente. Elle est wahda. Donc ton argent n'est pas béni. Ton argent c'est devenu du sable. C'est comme du sable. Ce n'est pas béni. Et la punition de demain, c'est elle la plus grave. C'est quoi? Allah Azza wa Jal. Naam. Demandera un ange spécial, de dénoncer à voix haute en mettant devant cette personne un étendard, naam, un étendard, et en désignant son acte de trahison. Alors que dira-t-il? Naam, le messager d'Allah a dit, tout être, au jour de la résurrection, aura un étendard qui le distinguera. On dira, telle est la trahison d'un tel. Hadith rapporté par Bukhari Muslim, Sharh Sunnah, volume 10, page 71-73. Naam. D'accord, Inch'Allah Ta'ala, oui, j'espère. D'accord, après le dars, Inch'Allah Ta'ala. Après le dars, 10 minutes ou là, un quart d'heure. Al-Muhim. Donc, celui qui abuse, naam, le riche, celui qui fait le riche, qu'est-ce qui va se passer ici? Ici, la punition, pas de bénédiction dans son argent. Et là-bas, subhanallah al-azim, un drapeau au-dessus de sa tête et un ange qu'il dénonce et il dit, telle est, voilà la trahison, sachez les défauts, etc. Naam. Et, bien sûr, rentre dans la trahison, les frères et les sœurs, naam, qui ont des choses, yani, naam, qu'ils ne veulent pas montrer aux prétendants. Ça rentre dans la trahison, une personne ne dise pas au prétendant j'ai telle et telle chose par exemple ou la telle et telle maladie. Naam. Il le laisse comme ça. Ensuite quand il se marie, il dit si je savais, je ne serais pas marié. Mais maintenant, c'est trop tard, il peut rien faire. Une seconde inchallah ta'ala. Salam alaykoum wa rahmatullah. Vous m'entendez pardon? Alhamdulillah. Donc, celui qui a téléphoné maintenant, c'est quelqu'un qui veut acheter la voiture. On parlait de ça, on parlait des défauts. Naam. Qu'est-ce que je disais, subhanallah. Naam, je disais que, naam, ça rentre dans la trahison, naam, que quelqu'un ait des défauts, de grands défauts, naam, et il ne montre pas. Et il ne montre pas, alors que ça montre quoi? Ça démontre que cette personne n'a pas confiance en Allah Azza wa Jal. N'a pas confiance en Allah Azza wa Jal. Et a oublié, cette personne a oublié que Allah Ta'ala, quand il a créé les cieux et les terres 50 000 ans avant de les créer, a écrit que tu allais te marier avec telle personne. Et s'il a écrit cette chose, que personne ne peut t'enlever. Naam, personne ne peut t'enlever cette chose. Tu dis, j'ai telle et telle chose. Naam, et Allah Ta'ala, naam, va te faciliter le mariage et même le bénir. Et l'autre qui cache, naam, et voilà que le mari découvre, ou bien le contraire. Voilà que c'est tel qui découvre qu'il a tel et tel défaut qu'il a caché. Naam, et c'est quoi? C'est la rupture et c'est les problèmes et c'est tbahdila. Et c'est tbahdila. Naam. Donc il a dit ici, tel est le sort honteux des traîtres qui manquent à leurs promesses. Ils croyaient qu'avec le temps, leur trahison serait oubliée. Mais au jour de la résurrection, rien ne sera caché. Et leurs honteuses trahisons seront intensément affichées pour doubler celle-ci. Les gens croient que, quoi? Ils disent que, alhamdoulilah, il n'a pas remarqué que
Par exemple, ma voiture avait telle et telle chose dans le moteur. Alhamdoulilah, il ne peut pas remarquer ces choses. Mais il a oublié qu'Allah Ta'ala a inscrit et que Yom al-Qiyamah, on va te dévoiler. On va te dévoiler. Il y a l'étendard, subhanallah, un drapeau devant toi. Tu es collé à ce drapeau. Un étendard. Et un ange qui crie. Tout le monde s'arrête pour écouter. Qu'est-ce qu'il va dire? Que va dire cet ange? Il va citer l'autre, subhanallah, avec son nom et dire, et lui dire, celui-là t'a trahi. Allahu Akbar. Leur honte sera encore pire quand ils auront découvert que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est leur seul espoir pour intercéder en leur faveur dans cette situation terrible, a déclaré qu'Allah sera leur adversaire au jour de la résurrection, vu leur abominable péché autrefois commis. C'est très grave. Le messager d'Allah, non seulement ne va pas intercéder, mais encore, il va te faire connaître que quoi? Que Allah Ta'ala sera ton adversaire ce jour-là. Et il n'y a pas plus grave que qu'Allah Azza wa Jal soit un adversaire d'un autre le jour de la résurrection. Si c'est une personne qui est mon adversaire, cette personne, je peux peut-être, me faire pardonner devant elle demain, en lui donnant de mes hasanat, en prenant de ses péchés à elle sur mon dos, sur mon cou. Mais allez, elle va être ravie, elle va dire là, j'ai pardonné. Mais maintenant, Allah Azza wa Jal, s'il va être notre adversaire, qu'est-ce que tu vas donner toi, Allah Ta'ala? Tu vas lui dire, je vais te donner de l'argent, je vais te donner ma voiture. Qu'est-ce que tu vas donner à Allah subhanahu wa ta'ala? Ainsi, ils seront privés et de la miséricorde et de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam confirme cette réalité future en disant. Donc, qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Écoutez ce qu'il a dit. Allah Ta'ala a dit, donc le messager a dit, Allah a dit, c'est un hadith qu'on appelle hadith Qudsi. Hadith Qudsi. Donc le messager d'Allah a dit que Allah Ta'ala a dit. Allah Ta'ala a dit, il y a trois catégories de gens dont je serai l'adversaire au jour de la résurrection. Ya Rab, qui sont-ils? Qui sont-ils tes trois adversaires demain? C'est très grave pour eux. Qui est le premier? Un homme, quand je dis un homme, ça rentre aussi une femme. Un homme qui a promis de donner en mon nom, puis a trahi son engagement. Subhanallah. Allahu Akbar. Quelqu'un qui promet de donner au nom d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il trahit son engagement et ne donne pas. Le deuxième, un homme qui a vendu un homme non esclave, puis a dépensé son prix. Et le troisième, un homme qui a demandé à un autre une prestation de service contre un salaire, ensuite, il ne l'a pas payé une fois la tâche accomplie. C'est un peu comme, le troisième c'est, tu fais venir par exemple quelqu'un pour te peindre la maison. Et vous dites par exemple, tu vas me peindre la maison par exemple, disons, 100 euros. Je donne un exemple comme ça. Quand il termine, tu lui donnes pas. Et cette chose existe chez beaucoup de gens. Et, d'après ce que j'ai entendu, et j'en ai tellement entendu de cette affaire, que j'ai appris, subhanallah l'adim, une chose étonnante. Vous savez qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que la plupart qui font venir des gens comme ça travailler chez eux et ne les payent pas, ce sont les riches. Ce sont les richards. Subhanallah l'adim, ça m'a étonné. La personne simple, wallah, peut-être qu'elle va, elle va prêter de l'argent, emprunter de l'argent et payer. Mais le riche, alors là, le grand riche, il y en a beaucoup qui ne payent pas. D'ailleurs, a peur de la pauvreté. Il dit, si je lui donne les 1000 euros ou les 100 euros, je vais peut-être devenir pauvre. Alors il ne donne pas, subhanallah. Alors que l'autre idée, moi, il est pauvre, il sait que 100 euros ou les 1000, ça rentre et ça sort. Et mieux que cela, il sait que, ce que l'attend demain s'il ne va pas donner cet argent. Mais l'autre, le riche qui est peut-être loin du din, ça lui dit rien ces choses-là. Il est content parce qu'il n'a pas payé. Il se dit, alhamdoulilah, mon argent n'a pas diminué. Donc c'est un hadith rapporté par Bukhari. Une musulmane sincère
doit donc s'écarter de toute forme de tromperie ou de trahison qui sont malheureusement fréquentes dans le monde contemporain. La musulmane sincère, la pieuse, la salafia, doit s'élever au-dessus de ses mauvaises qualités. Car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les a classés parmi les signes distinctifs des hypocrites. Naam, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, naam, dans un hadith authentique, naam, hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quand quatre qualités caractérisent quelqu'un, il devient un hypocrite. Et quand l'une, naam, de ses qualités, ou bien mieux, l'un de ses défauts, naam, le caractérise, alors il est caractérisé par l'une des qualités distinctives de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il s'en débarrasse. C'est quoi, ces quatre, il a dit? La première, naam, il abuse de la confiance des autres. Et c'est ce qui a rapport avec le dars. Il abuse de la confiance des autres. La deuxième, il ment quand il parle. La troisième, il ne tient pas promesse quand il s'engage. Quatrième, et il est de mauvaise foi quand il se dispute avec autrui. Si quelqu'un a ces quatre à la fois, c'est un hypocrite. Mais s'il a une des quatre, ou bien deux des quatre, ou trois des quatre, il contient des qualités d'hypocrite jusqu'à ce qu'il s'en éloigne. Taïb, septièmement, elle tient promesse. Septièmement, elle tient promesse. Alhamdulillah. Honorer ses promesses est l'une des qualités morales qui distingue toute musulmane sincère. Car c'est là un comportement indissociable de la sincérité. C'est aussi une qualité louable qui traduit la bonne éducation de la personne. Elle lui assure le succès social et lui garantit amour et respect de la part des gens. La femme musulmane est concernée plus que toute personne par cette qualité, car elle représente un modèle pour ses enfants. En honorant ses promesses, elle enracine les valeurs nobles en leur âme et les incite à l'imiter. Naam. Quand il a parlé d'enfants, ça m'a rappelé, si vous connaissez tous, je suis sûr que vous connaissez, le hadith où la femme, naam, a montré à son enfant comme ça quelque chose dans la main, enfin, avait la main comme ça pliée, naam, fermée, elle a dit à son enfant, viens, ou bien un enfant, viens, je te donne. Naam. Et l'enfant n'est pas venu. Et le messager d'Allah lui a dit, et s'il était venu, qu'est-ce que tu lui aurais donné? Elle a ouvert sa main, il y avait, je crois, une date. Alors ici le messager d'Allah a dit, naam, s'il n'y avait pas la date, elle a dit, tu aurais été écrite comme menteuse. Imaginez combien de mères, naam, plaisantent comme ça et croient plaisanter, et aussi les pères, avec leurs enfants. Naam. Et ils font des promesses. Si tu réussis à telle chose, je t'achète telle chose. Si tu apprends telle sourate du Coran, je te donne telle chose. Et ils ne tiennent pas les promesses. Alors, à part le péché qu'ils ont, de ne pas avoir tenu promesse et d'avoir menti, qu'est-ce qu'ils font encore? Ils apprennent leurs enfants les mauvaises habitudes. L'enfant va dire, comment mon père fait des choses comme ça, moi je ne fais pas. Si c'était haram, mon père serait le premier à ne pas faire cette chose. Naam? Si un autre enfant va dire à cet enfant, pourquoi tu fais des choses comme ça? Il dit, mais moi je vois ma mère faire comme ça tout le temps. Naam, tout le temps ma mère me dit, viens je te donne et je vais chez elle, je trouve rien. Elle me dit, je plaisante mon fils. Naam. Pour la femme musulmane, tayyib, attendez, je vois où j'étais. Pour la femme musulmane, cette qualité, c'est-à-dire tenir promesse, n'est pas une attitude à usage social, servant de moyen pour se vanter devant ses amis. Mais c'est une conduite recommandée par l'islam qui en fait l'un des signes de la foi authentique. Allah Ta'ala dit dans le Coran 5.1, il a dit, ô croyants, remplissez fidèlement vos contrats. Ô croyants, remplissez fidèlement vos contrats. Naam, ça veut dire aussi,
Tenez promesse. Non, tenez promesse. Soyez fidèles à l'engagement. Car l'on rendra compte. Car demain, Allah Ta'ala veut dire que vous devez rendre des comptes devant moi. Naam, pour l'engagement. Et il a dit aussi, Allah Azza wa Jal, dans le Coran 16.91, il a dit, soyez fidèles à l'engagement auprès d'Allah, une fois que vous l'avez contracté. Naam, soyez fidèles à l'engagement auprès d'Allah, une fois que vous l'avez contacté. Naam. Ces versets coraniques et bien d'autres confirment que le respect de la promesse est une obligation religieuse majeure. Allah Azza wa Jal ordonne de façon ferme et explicite aux croyants d'être fidèles à leurs engagements en les honorant et de ne s'y soustraire sous aucun prétexte. Quand un musulman prend un engagement, il ne lui sied pas de se dérober. Car l'engagement vis-à-vis d'une personne est également pris vis-à-vis d'Allah. D'où l'obligation d'être fidèle à ses promesses que l'on prendra avec sérieux. Naam. Subhanallah. Tout à l'heure, je vous parlais de la voiture. Naam. Hier, une personne est venue et a donné un prix. Ensuite, moi, quand j'ai accepté, j'ai dit là, c'est terminé. Naam. Quand cette personne est partie, il y avait une qui était assise avec nous. Elle me dit, je te donne plus que cette personne, et si restera. Je lui dis, j'ai donné un engagement. Naam, je ne peux pas revenir marche arrière. Devant Allah Ta'ala, j'ai vendu. Devant Allah Ta'ala, j'ai vendu. Même si lui, il donne plus, c'est trop tard. Naam. Mais peut-être qu'une autre personne accepterait. Dis-moi, l'essentiel, c'est l'argent. Qu'Allah Azza wa Jal nous aide. Tayyib. L'engagement fait à autrui ne doit pas être considéré comme une simple parole qui n'exige aucune concrétisation ultérieure. Tel est plutôt le comportement des gens légers, qui ne pèsent pas leurs mots et n'accordent aucune importance à leurs propos. Or, Allah Ta'ala dit dans le Coran, Coran 61, verset 2-3, « Ô croyants, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. » Naam. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit aussi, dans un hadith rapporté par Bukhari Muslim, il a dit, les signes distinctifs de l'hypocrisie sont trois. Trois signes montrent, naam, c'est qui l'hypocrite. Premièrement, il ment quand il parle. Deuxièmement, il ne tient pas promesse. Et troisièmement, il abuse de la confiance des autres. Dans une version, naam, rapportée par Muslim, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était hypocrite même s'il faisait la prière et jeûnait et prétendait être musulman. Allahu Akbar. C'est grave. Il est hypocrite s'il fait les trois choses que je viens de citer. Il a dit même s'il fait la prière et jeûne et prétend être musulman. C'est pas à nous de prétendre. C'est Allah Ta'ala et son messager qui disent est-ce que on est musulman ou on ne l'est pas. On est hypocrite ou on est kafir. Naam. C'est Allah Ta'ala qui décide et son messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sinon tout le monde peut dire naam, non seulement je suis musulman, mais je suis le meilleur des musulmans. Naam. Donc ce hadith affirme que la parfaite soumission de la musulmane à Allah Azza wa Jal ne consiste pas seulement et uniquement à accomplir les pratiques cultuelles. Naam. La vraie soumission de la sœur, ce n'est pas seulement le fait de faire la prière et de jeûner et de mettre le djilbab. Mais encore, elle se traduit par la conduite, la tricherie, la trahison et la perfidie doivent donc disparaître du comportement de la musulmane sincère. Car ce sont des pratiques propres aux hypocrites. Les femmes qui n'honorent pas leurs engagements avec les autres, notamment leurs enfants, doivent prendre conscience de cette vérité. Elles doivent savoir qu'en agissant de la sorte, elles donnent un mauvais exemple à leurs enfants et pervertissent ainsi leurs mœurs. Elles doivent savoir enfin que prendre ses promesses à la légère et s'y soustraire sont des qualités propres aux hypocrites
et que le sort final de ces derniers est le fin fond de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya. Huitièmement, j'attends inchallah que vous écriviez le titre. Sauf si vous l'avez écrit, je ne l'ai pas vu. Naam. Huitièmement, je répète, elle n'est pas de nature adulatrice. Ghuraba, si tu as perdu le fichier, dis-le moi, je te l'envoie maintenant. Si tu as perdu le fichier, naam, où il y avait tous les titres ado, est-ce que tu l'as perdu? Alhamdulillah. Tu ne l'as pas? Tayyib. Je ne savais pas, je croyais que tu l'avais gardé. Al-Muhim. La musulmane sincère est avisée d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'est pas de nature adulatrice. Les adulations. En arabe, al-madh. Al-madh. Hein? Vous savez ce que c'est al-madh? Elle rencontre sa sœur, elle commence à lui dire, toi tu es ceci, tu es cela, il n'y a pas mieux que toi, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Naam. Elle rentre dans l'adulation. Elle rentre dans al-madh. Naam. Et des fois, naam, des fois ce n'est même pas vrai ce qu'elle dit. Si c'était vrai, inchallah ta'ala, avec un peu de détail. Les éloges des gens, à les vanter. La musulmane sincère et avisée est franche et claire au niveau des paroles et des actes. Elle se détache de l'hypocrisie, car elle sait que c'est une attitude condamnée par l'islam. Elle se garde aussi de la fausse courtoisie. Voilà le dars. Écoutez, elle se garde aussi de la fausse courtoisie. La fausse courtoisie consistant entre autres à adresser aux autres des éloges gratuits et mensongers. Car une telle attitude ne convient pas à sa personne en tant que musulmane. Qu'en est-il en tant que salafia? L'adulation et l'hypocrisie sociale représentent une attitude que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a condamnée et contre laquelle il a recommandé des règles préservatrices. On rapporte à ce sujet que certains membres de la tribu Banu Amir vinrent voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et s'adressèrent à lui en lui disant, tu es notre maître, yani ya Rasulallah, tu es notre maître. Il leur dit alors, le maître par excellence est Allah. Le maître par excellence est Allah Azza wa Jal. Ils ont dit, mais tu es le meilleur et le plus puissant parmi nous tous. Naam, voir Sharh Sahih Muslim. Donc, vous voyez que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont dit tu es le maître, naam, il n'a pas accepté. Il a dit le maître c'est Allah Azza wa Jal. En arabe, ils ont dit anta sayyid. Il a dit sayyidullah. Allah. Non. Il répondit alors, dites, quand ils ont dit, tu es le meilleur et le plus puissant parmi nous tous, il a dit, dites ce que vous avez à dire et ne vous laissez pas entraîner par le diable. Je n'admets pas que vous m'éleviez à un rang autre que celui dont Allah Ta'ala m'a gratifié. Je suis Muhammad ibn Abdillah, le serviteur d'Allah et son messager. Voir Silsila Sahiha de Sheikh Al-Albani, hadith 1572. Naam. Il leur a dit, ne vous laissez pas entraîner par le diable, en jetant comme ça des fleurs, en faisant des éloges. Naam. Je n'admets pas que vous m'éleviez à un rang autre que celui dont Allah Azza wa Jal m'a gratifié. Je suis Muhammad ibn Abdillah, le serviteur d'Allah et son messager. Donc beaucoup de sœurs, avec sincérité, quand elle rencontre les autres sœurs, elle commence à leur faire des éloges. Tu es ceci, tu es cela, tu es cela, et elle sait que ce n'est pas vrai. Si c'était vrai, ce n'est pas permis. Qu'en est-il si ce n'est pas vrai? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vous savez qu'il y a des sectes qui, de nos jours, disent par exemple, que quoi? Disent qu'il a été créé de lumière. Naam. Et ils exagèrent. Naam. Tout ça, le messager d'Allah ne l'aime pas. Il aime que tu le mettes au rang où Allah Ta'ala l'a mis. Ni tu le descends, ni tu l'élèves plus qu'il n'est, sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit seulement, anta sayyid, il a dit sayyidullah, c'est pas moi sayyid, c'est Allah Azza wa Jal. Subhanallah al-Azim.
en leur interdisant, écoutez bien, en leur interdisant de le qualifier de maître, de meilleur et de puissant, le messager d'Allah barre ainsi la route à tous les adulateurs, les maddahin et les maddahat, les adulateurs qui adressent inconsidérément leurs éloges à ceux qui les méritent comme à ceux qui ne les méritent pas. Cela n'implique nullement qu'il ne méritait pas ces qualificatifs, sallallahu alayhi wa sallam. Bien au contraire, il est effectivement le maître des messagers et le meilleur parmi les humains. Mais l'objectif du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était d'éviter à la société des croyants, la mauvaise habitude qui consiste à faire publiquement les éloges d'autrui. Car cela est susceptible de mener vers l'hypocrisie. En plus, le fait qu'elle risque de susciter l'orgueil et la suffisance chez la personne ainsi vantée. Naam. Écoutez, Al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah, rapportent qu'Abu Bakrata, radiallahu ta'ala anhu, a dit un jour, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, un homme fit l'éloge d'un autre en présence du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète lui dit, à plusieurs reprises, malheur à toi, malheur à toi. Tu viens ainsi de l'abattre, mais tu l'as déjà abattu. Puis il ajouta, quand l'un d'entre vous tient absolument à faire l'éloge d'un ami, qu'il dise à propos de ce qu'il connaît de lui, je pense qu'il a telle ou telle qualité, Allah est son juge, et je n'atteste de l'honorabilité de personne après Allah Azza wa Jal. Voir Fath al-Bari, volume 10, page 476. Le messager d'Allah nous apprend, quand on veut faire l'éloge d'une personne, on lui dit, naam, qu'est-ce qu'on dit ici? Je pense, naam, ahsabuka kadalik. Je dis par exemple à une personne, wallahi inta insan matalan, yani la takdib. Tu es une personne qui ne ment pas. Ahsabuka kadalik. Je pense que tu es ainsi. Wallahu hasibuk. Allah Azza wa Jalla est son juge. Naam. Wa la uzakki ala Allahi ahadan. Et je n'atteste de l'honorabilité de personne après Allah Azza wa Jalla. Subhanallah al-Azim. Même quand une personne a cette qualité, et si on lui fait l'éloge, on doit dire cette phrase. Ahsabuka kadalik, wallahu hasibuk. Wa la uzaki Allah ahadan. Et on ne dit pas comme ça directement, tu es masha'Allah, tu es ceci, tu es cela. Subhanallah al-Azim. Si vous saviez, astaghfirullah, si vous saviez, il y a des personnes, je ne sais pas si c'est spécialement chez les Égyptiens ou là, je ne sais pas, astaghfirullah, yani comment qu'ils font l'éloge aux gens. Subhanallah, il te dit, nawwart al-masjid, tu as, masha'Allah, illuminé la mosquée, elle était yani, dans les ténèbres, yani, en rentrant, tu l'as illuminé, tu as ceci. Subhanallah, alors tout ceci n'est pas vrai, ce sont des paroles, c'est comme ça, en l'air, naam. Ainsi, pour éviter l'hypocrisie et la courtisanerie, il faut que les propos élogieux adressés aux autres soient authentiques, premièrement, et modérés, deuxièmement. Car les éloges en public sont susceptibles d'engendrer des conséquences néfastes. Naam. À ce sujet, le Bukhari, rahimahullah, rapporte dans Adab al-Mufrad que Mihjan al-Aslami, radiallahu ta'ala anhu, a dit. Il a dit, j'étais en compagnie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans la mosquée. Quand il constata qu'un homme était en train d'accomplir la prière en s'inclinant et en se prosternant. Il me dit alors, qui est cet homme? Je me mis alors à faire l'éloge de ses qualités en disant, ô messager d'Allah, il a telle qualité et telle autre qualité. Suite à quoi le messager me dit, arrête, qu'il n'entende pas tes éloges, car cela le perdra. Dans la version rapportée par Ahmed, il est dit, ô prophète, c'est un tel, l'un des meilleurs parmi les gens de Médine. Ou bien, c'est celui qui parmi les gens de Médine accomplit le plus de prières, nafila, surérogatoire. Le messager me dit alors, en répétant, ne le lui dis pas, ne le lui dis pas, car cela le perdra. Puis il me dit, vous êtes une communauté pour qui Allah Azza wa Jal a voulu la commodité, yani la modestie, rapportée par Musnad, par Ahmed, voir le Musnad, volume 7, page 32, hadith jugé authentique. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a qualifié l'éloge adressé à autrui directement d'acte ruineux. Et ce,
en raison de ses effets négatifs sur l'esprit de celui qui le reçoit. Naam, vous savez pourquoi? Écoutez pourquoi. L'être humain est en effet réceptif aux éloges des autres. Naam, que les éloges soient justifiés ou non, c'est une pratique qui nourrit un désir enfoui en lui et qui ne cherche qu'à être assouvi, à savoir une certaine reconnaissance reflétant l'admiration d'autrui. Cela est par conséquent susceptible de mener à la dérive et de le rendre vaniteux et hautain. D'où la gravité d'une telle attitude. Les méfaits de cette pratique ne proviennent donc pas des personnes vantées, mais proviennent des adulateurs qui les rendent accoutumés aux éloges d'autrui, au point qu'elles bannissent toute personne tentant de les conseiller ou de les critiquer, tout en encourageant tout ce qui les flatte en permanence et les comble de compliments. Donc, quand un tel phénomène se prépare parmi les gouvernants, les notables et les hommes d'influence, on n'aura pas à s'étonner de l'absence de la justice et de la vertu, car cela reflète la corruption de toute une société. Naam. Quand on apprend aux gens à les aduler, à leur faire des éloges, et à ne pas s'arrêter de faire des éloges, naam, ils vont donc s'habituer à cela. Et maintenant, si des gens veulent les conseiller, ils n'acceptent pas. Ils disent comment? Celui-là, il me conseille. Tiens, qui c'est celui-là? Il me conseille. Naam. Ils ont été habitués à ce que les gens ne leur disent, yani ne leur disent jamais vous avez des défauts. Du matin au soir, tu es, masha'Allah, tu es le meilleur des nous, tu es le plus sincère, tu es le vrai salafi, tu es ceci. Khlas, il ne va plus accepter les défauts. Naam. Et on va, quoi, leur apprendre, yani, à détester les autres gens qui ne leur font pas les éloges. Naam. D'ailleurs, Nafi', radiyallahu ta'ala anhu, rapporte qu'un homme a dit à Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah l'agrée. Il lui a dit, ô toi, le meilleur des gens, ô toi, le fils du meilleur parmi les gens, c'est-à-dire le fils de Omar ibn Khattab. Alors, ibn Omar lui a répondu, je ne suis ni le meilleur des gens, ni le fils du meilleur d'entre eux. Je ne suis qu'un simple serviteur d'Allah qui aspire à son agrément et redoute son châtiment. Par Allah, vous n'avez point de cesse que de faire l'éloge d'une personne jusqu'à ce que vous causiez sa ruine. Naam. Regardez, Al-Kandahlawi Hayat Sahaba, volume 3, page 99. Une telle réponse ne saurait provenir que d'un croyant qui respecte les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les applique en privé comme en public. Les compagnons ont parfaitement compris les réserves signalées par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant les éloges d'autrui, tout comme ils ont su distinguer entre le comportement sincère et celui suscité par l'hypocrisie. On rapporte à ce sujet que peu de gens dirent à Abdullah ibn Omar, qu'Allah ta'ala l'agrée, quand nous entrons chez nos gouvernants, nous entrons chez les hukam, chez les gouverneurs, nous leur adressons des propos élogieux, contraires à ce que nous déclarons une fois les avoir quittés. Quand nous rentrons chez les gouverneurs, on leur dit des propos élogieux. Vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes, et quand on sort, on dit deux, il y a des choses qui ne sont pas bien. On dit ce sont des voleurs, ils ne jugent pas avec l'islam, et ceci, cela. Non. Bon, ce ne sont pas eux qui disent. Moi, je donne un exemple. Alors, Abdullah ibn Omar leur a dit, du temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous considérions cela comme un comportement hypocrite. Non. Ce que vous faites là, du temps du messager d'Allah, c'était considéré comme un comportement hypocrite. Hadith rapporté par Bukhari, Naam, voir Fath al-Bari, volume 13, page 170. De nos jours, un bon nombre de femmes abusent des courtisaneries et pensent qu'elles ne dépassent pas les limites de la bienséance autorisée. Elles oublient qu'il existe une forme de courtoisie qui est totalement illicite. C'est laquelle ?
celle qui consiste à faire des éloges immérités, ou bien à fermer les yeux sur les défauts des personnes adulées. Cette forme de courtoisie conduit nécessairement à l'hypocrisie. Or, ces femmes, ces sœurs, sont censées savoir l'horrible sort réservé aux hypocrites. La musulmane sincère, pieuse, salafia. Bon, le livre n'a pas dit salafia, moi j'ajoute salafia, est cependant à l'abri de ce fléau. Et ce, grâce à son observance des enseignements de sa religion. Je vais ajouter une chose ici que font beaucoup de gens qui n'est pas loin de celle-là, c'est-à-dire aduler dans les éloges quand ce n'est pas vrai. Certaines personnes disent comme ça, vite et comme ça, disent à une personne, je t'aime en Allah Azza wa Jal, uhibbuka fillah et uhibbuki fillah. Comme ça, facilement. On a vu la fois passée, ou bien ça fait deux doros, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand quelqu'un aime quelqu'un fidèle, qu'il le lui dise. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'amour en Allah ta'ala existe. Et si quelqu'un le ressent, qu'il le dise à l'autre personne. Comme ça, ça va les unir plus et ça va rendre les relations entre les deux personnes, mashallah, qui ressent en Allah azza wa jal. Et les personnes aiment qu'on leur dise cette chose. Pourquoi? Parce que là, la personne a été créée comme ça. Elle aime qu'on lui montre qu'on l'aime. Je ne parle pas de ce genre. Je parle de ceux qui ne ressentent pas cette chose. Ils la disent comme ça, juste pour faire plaisir aux gens et leur faire des éloges. Ce sont ceux-là qui rentrent dans les hadiths qu'on vient de citer aujourd'hui. Et moi, plusieurs fois ici dans la mosquée, ça, j'ai fait cette remarque à des gens qui ne te connais pas du tout. Et la première rencontre comme ça, direct, uhibbuka fillah. Pour uhibbu fillah, il faut avoir connu la personne, l'avoir testée, n'avoir vu d'elle que la sunna, que le bien, que le din, que le bon comportement. Là, si on aime la personne, on lui dit, on doit même lui dire. Mais il y en a qui jettent comme ça les mots, ils savent dans le cœur que ce n'est pas vrai. Bien la personne, je t'aime Allah. Et si ce n'est pas vrai, celui-là, il a fait deux fautes. La première, d'avoir menti, alors que ce n'est pas vrai, il l'aime pas en Allah. Et la deuxième, d'avoir été hypocrite, de montrer ce qu'il n'a pas dans le cœur, de faire montrer aux gens ce qu'il n'a pas dans le cœur. Que Allah Azza wa Jal nous en préserve, car beaucoup de gens emploient « Uhibbuka fillah »« La uhibbuka fillah » juste pour qu'ils te disent après, voilà, si tu peux me prêter un peu d'argent. Toi, tu l'as dit, il m'a dit, uhibbuka fillah, c'est difficile que je lui refuse maintenant. Mais si vraiment quelqu'un ressent vraiment l'amour en Allah et le dit à la personne, et s'il a aimé en Allah, vous savez qu'est-ce qu'il attend demain, c'est quoi? Des chairs. Des chairs, vous savez ce que c'est le chair, des chairs, c'est comme où monte ce qu'on appelle en arabe le mimbar, où monte l'imam pour faire le prêche. Des chairs, en quoi? En lumière. Ils seront assis sur des chairs en lumière au point où les messagers et les martyrs les convoiteront. Ils diront, subhanallah, si on pouvait avoir des chairs pareilles. Ce sont spécialement pour qui? Manabir min nur. Pour les gens qui se sont aimés en Allah Azza wa Jal et qui ne connaît pas le hadith qui dit que sept personnes seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura pas d'ombre. Qui? Deux personnes qui se sont aimées en Allah Azza wa Jal. Et Yanni se rencontre pour lui et se sépare pour lui. D'ailleurs, quand quelqu'un aime une personne en Allah Azza wa Jal, c'est le comportement qui le prouve. Quelqu'un aime une personne en Allah Azza wa Jal, c'est le comportement qui le prouve. Même si tu ne me dis pas, je t'aime en Allah, je vais le sentir dans ton comportement. Dans ton comportement, je vais le sentir et tu vas le sentir. Bidna Azza wa Jal. On termine donc par un 9e mot. J'attends, Inch'Allah. Taïb. Elle est pudique. Taïb, je préfère, Inch'Allah ta'ala, m'arrêter ici, Bidna Azza wa Jal, pour répondre à quelques-unes de vos questions. Ensuite, il y a une personne qui m'attend après le dars, donc je dois finir assez tôt. Je dis, Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant,
astaghfiruka wa atubu ilayk. Donnez-moi inchallah ta'ala 5 minutes bi idna ta'ala et je reviens. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. On commence inchallah ta'ala bismillahir rahim wa salatu wassalam ala ashraf al mursalin. Tafaddal inchallah ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a du son, inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Hayyakum Allah ta'ala. Cheikh, ma demande n'est pas vraiment une question, mais plutôt un conseil que je souhaite de votre part. Je prépare mon voyage en Algérie pour partir étudier dans quelques mois, inshallah. Je sais que votre épouse donne des cours d'arabe et la femme de Cheikh Azdin des cours de Aqida et de Fiqh. Je souhaite donc que vous me conseillez sur ce qui concerne les sciences religieuses pour les femmes en Algérie. En Algérie ou à Alger, Allahu alam. Car j'ai eu les conseils de votre épouse et j'aimerais avoir aussi les vôtres. Barakallahu fikum wa tafaddal Cheikh, Inch'Allah. À Alger, Inch'Allah, c'est à Alger. Tafaddal Cheikh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيه صوت؟ الحمد لله الحمد لله. طيب je ne sais pas exactement ce que mon épouse a dit. La première, elle est plus au courant de moi, de ces choses-là. Pourquoi? Parce que cela fait 7 ans que je vis loin d'Algérie. Donc je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe en Algérie. Je n'y allais que 2 fois par an. Pour rester seulement un mois. Donc je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe là-bas. Si elle nous a parlé d'un rendez-vous en privé que je lui ai demandé de vous faire appeler. Elle ne m'a pas encore parlé. Naam. Elle ne m'en a pas encore parlé. Naam. Elle a dû oublier, car elle oublie comme moi. C'est pour ça qu'on s'est mariés, elle et moi. Si elle n'oublie pas comme moi, on ne peut pas se ressembler, on ne peut pas se rassembler. Donc, tu comprends? Donc peut-être qu'elle a oublié. Inch'Allah ta'ala, maintenant c'est moi qui vais lui rappeler, c'est pas elle. Elle dit premièrement. Deuxièmement, lorsque tu as dit que ma femme donnait des cours d'arabe, en fait, elle donne, ce n'est pas des cours d'arabe, enfin, disons des cours d'arabe, mais au niveau de ceux qui sont, de ceux qui n'ont jamais étudié l'arabe. Vous avez compris? Ce n'est pas des niveaux, yani au niveau, mais elle donne au niveau de ceux qui n'ont jamais étudié l'arabe. Non, c'est pour ça que celles à laquelle elle donne des cours, ce sont plutôt les vieilles. Non, quand en Algérie, ce sont les vieilles, non, qui n'ont jamais été à l'école et comme ça. Non. Mais Inch'Allah Ta'ala, je lui dirai Inch'Allah Ta'ala de me rappeler Inch'Allah Ta'ala. Non. D'ailleurs, ça s'appelle en arabe Mahoul Ummiya. C'est pas comment on dit en français. C'est contre l'analphabétisme. Quelque chose comme ça. Naam. Inch'Allah Ta'ala, je lui dirai de me rappeler. On parlera Inch'Allah Ta'ala ce soir et je dirai quand est-ce qu'Inch'Allah Ta'ala le PVA 3. Tfadla Inch'Allah Ta'ala le suivant. Hafoussa, Inch'Allah, c'est à vous. Il faut écourter les questions en fait. Il faut l'envoyer en 2 fois ou en 3 fois, ça dépend. Al-Ghuraba, Inch'Allah. Al-Ghuraba, je ne sais pas ce qu'on fait pour gagner du temps. Est-ce qu'on passe à Najmuddin? En attendant que la sœur elle passe le PV. Salamu alaykum, Sheikhana. Wa hayakum Allah. Un frère me demande, sa femme n'a pas fait le Hajj et il compte faire la Hijra. Doit-elle faire le Hajj avant ou la Hijra d'abord? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Tafaddal Cheikh inchallah. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. J'ai toujours dit, naam, et répondu à cette personne, pardon, à cette question, en disant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, naam, man istata'a minkum al-hajja falyahujj. Ou il a dit ta'ajjalu bil hajj. Vous empêcheront de le faire. Donc, se basant sur ce hadith authentique, quand quelqu'un a les moyens de faire le hajj, il ne va pas le laisser pour autre chose. Il ne dit pas, je vais laisser le hajj jusqu'à ce que je fasse la hijra, ou bien jusqu'à ce que je me marie, ou bien jusqu'à ceci, cela. Dès que
Naam, le hajj est arrivé. J'ai l'argent. Je ne suis pas malade. Je peux. Naam, je le fais. Bien sûr, si c'est question de mariage et que je sais que je suis très faible de foi et que j'ai beaucoup de tentations dans le cœur et que si je ne me marie pas, je peux tomber dans la zina, dans ce cas, bien sûr, je commence par le mariage. Mais si je suis stable, je suis normal, alhamdoulilah, je peux me retenir. Alhamdoulilah. Le cœur, yani, il a assez de lumière. Naam. Et le hajj est venu, je ne le laisse pas passer, inshallah ta'ala. Naam. والله عز وجل أعلم تفضل السويب Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un frère salafi a monté le projet d'une boulangerie avec l'intention de financer sa hijra. Aujourd'hui, il rencontre des difficultés, notamment au niveau des employés, puisqu'il a dû embaucher deux femmes avec lesquelles il est amené à travailler. Le frère demande, est-ce qu'il commet un péché? Quelle nasiha pouvez-vous faire? Jazakumullahu khayran. Qu'Allah azza wa jal vous préserve. Et je vous demande de me pardonner de ne pas avoir donné de nouvelles pour nous donner des cours, comme je n'ai pas pu donner de nouvelles pour nous donner des cours, comme je vous avais demandé. Il y a eu des soucis d'organisation, entre parenthèses, pas assez de sœurs. Barakallahu fikoum, j'ai essayé plusieurs fois de lever la main pour vous poser des questions. Qadar Allah, je n'ai pas réussi. Je m'excuse si ma question n'est pas du sujet. Et pourrais-je avoir le PV de votre femme? Allah yafazkum, yahfazkum, barakallahu fikum cheikh, pour votre patience. Tafaddal cheikh, inshallah. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. Pour que cette sœur, naam, je la mette en contact avec mon épouse. Il faudrait que je connaisse c'est qui cette sœur, c'est quel nom. Naam. C'est quel pseudo, je veux dire. C'est quel pseudo. C'est-à-dire, premièrement. Deuxièmement, pour celui qui a embauché les deux femmes, on va voir. Naam. Si c'est des femmes qui sont dans le besoin. Et qui, en les embauchant, elles ne rentrent pas dans la mixité. C'est-à-dire, elles ont un endroit où elles travaillent toutes seules. Naam, je ne sais pas qu'est-ce qu'elles font. Naam, mais elles ne travaillent pas avec les hommes. Elles travaillent seules et il n'y a pas la fitna. Elles sont dans le besoin et lui, il est dans le besoin. Inch'Allah ta'ala, il n'y a pas de problème. Mais s'ils travaillent comme ça ensemble, du matin au soir, ils sont là en train de discuter, de rire, de plaisanter, dans ce cas, il n'est pas permis, naam, qu'elle travaille. Ils font du pain. Naam, normalement, c'est le travail des femmes. Naam, s'il n'a pas trouvé d'hommes qui font cela, elles sont derrière un mur, naam, et n'ont pas de relation avec les hommes, ni ne se voient, ni ne se rencontrent. Naam, il n'y a pas de mixité, ni de mélange, inshallah ta'ala. Naam, je la contacterai, inshallah ta'ala, pour lui donner son pseudo. Tfadla, inshallah, le prochain. Qu'elle laisse ses PV ouverts maintenant. Qu'elle laisse ses PV ouverts maintenant. Abdelaziz, Rajhi, c'est à vous, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Sheikh, Hayakum Allah. J'aimerais que vous me disiez que doit faire une personne qui ne tient pas sa promesse pour se faire pardonner. Barakallahu fikum, Hayakum Allah, wa ahsanallahu ilaykum, wa hubbukum fillah. Tafaddal Sheikh, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je dis d'abord ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. C'est comme ça qu'on répond dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, que doit faire cette personne, naam, qui ne tient pas ses promesses pour se repentir? Qu'est-ce qu'elle doit faire, naam, pour que Allah ta'ala lui pardonne? Elle doit seulement regretter toutes les fois où elle n'a pas tenu promesse et avoir l'intention de ne plus revenir vers cette chose, de ne plus refaire cette chose et demander à Allah Ta'ala de lui pardonner les fois passées. Donc elle doit seulement, naam, demander à Allah Ta'ala de lui pardonner les fois passées et d'avoir dans l'intention de ne plus refaire cette chose-là. Et la troisième condition, c'est de quoi? C'est de demander à la personne, naam, de lui pardonner aussi. Elle demande à la personne, si elle la rencontre ou elle a des liens avec elle, lui envoie par exemple un SMS ou bien un email,
Elle lui dit, voilà, je regrette beaucoup que je n'ai pas tenu mes promesses. Je demande de me pardonner, inshallah ta'ala, ça ne se refera plus. Wallahu ta'ala a'lam. Atfadla, inshallah, le prochain. منهج الحق إن شاء الله ستفو البيناء تفضل إن شاء الله البيناء السلام عليكم شيخ Un couple est en désaccord au sujet de la circoncision de la femme. Le mari est de l'avis que c'est obligatoire et la femme est d'avis que cela est une sunna. Le mari voulait savoir s'il avait des droits sur le corps de sa femme concernant ce point. Et qu'en est-il de leurs enfants? Barakallahu fikum. تفضل شيخ إن شاء الله Alaykoum salam wa rahmatullah. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en est-il de leurs enfants? Je n'ai pas compris. Qu'en est-il de leurs enfants en ce qui concerne yani, la circoncision des filles? Est-ce qu'on est circoncis ou bien quoi? Je n'ai pas bien compris la question. Je voudrais un peu d'éclaircissement sur cette dernière phrase. Ah, naam, les filles, d'accord. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Comme vous devez le savoir, il y a une divergence en ce qui concerne la circoncision des femmes, plus précisément en ce qui concerne son obligation. Quant à l'homme, tout le monde sait que c'est une obligation et que s'il ne le fait pas, il a fait un péché. Reste la femme, est-ce qu'elle rentre aussi dans l'obligation ou pas? Là, la plupart des savants disent que ce n'est pas une obligation pour elle. Et c'est aussi l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen Rahmo, de Cheikh Al-Albani et de la plupart. Et certains ont dit que c'est une obligation pour elle. Mais si on suivait bien les dalils et on voyait bien ce qu'il y a dans les dalils, on va trouver que c'est plutôt pour l'homme que c'est une obligation et surtout pas, et pas pour la femme. Pourquoi? Quel est le grand dalil? Le grand dalil, c'est que, naam, il est interdit, naam, vous savez que, il est interdit à une personne qu'elle touche de son corps, sauf ce que Allah Ta'ala a permis. Il a permis, par exemple, certains poils dans certains endroits, il a permis les ongles, il a permis les cheveux, etc. Et tout ce qu'il n'a pas permis, personne ne le touche. Maintenant, quant à l'homme, il doit faire cela, donc il doit enlever une partie de son corps, ce qui veut dire que c'est une obligation. Sinon, comment lui serait-il permis d'enlever quelque chose de son corps s'il n'y avait pas les dalils? Ça, c'est un dalil que le fait de se circoncire, c'est une obligation. Maintenant, pour prouver que pour l'homme, c'est obligatoire et la femme, non, regardez, l'homme, s'il ne se circoncit pas, quand il va uriner, il y a des gouttes d'urine qui vont rester dans ses parties intimes. Alors, quand il va faire la prière, sa prière ne sera pas valable. Il ne sera pas valable. Pourquoi? Parce qu'il fait la prière avec la najasa, avec la souillure. Donc, puisque le fait de faire la circoncision pour l'homme, ça a un rapport avec la salat qui est obligatoire, ça devient une condition pour la salat. Donc, c'est une chose obligatoire pour l'homme de faire la circoncision. Mais la femme n'a pas cette chose. C'est-à-dire que la femme, la cause pour laquelle on va lui faire la circoncision, c'est la cause des tentations et de la shahwa. Naam, pour que sa shahwa et ses tentations ne l'emportent pas sur elle. Car lorsqu'elle a le clitoris comme ça, assez, qui sort assez, et à chaque fois qu'il est touché, elle risque, elle, de sentir des choses. C'est pour ça que dans les pays chauds surtout, naam, on fait cette chose à la femme. Pourquoi? Pour que, yani, elle puisse se retenir et se contenir qui sont tentations. Donc, puisque, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est seulement une question de tentation, donc ce n'est pas obligatoire, car la femme peut se retenir dans les tentations et faire le jeûne et faire des doigts et ne pas voir les hommes et ne pas voir ceci, cela, elle s'éloigne des tentations. Quant à l'homme, non. Il se circoncit à cause de la prière et de la najasa, la souillure. Donc, c'est pour ça que l'avis le plus sûr, c'est que pour l'homme, c'est obligatoire, et pour la femme, ce n'est pas obligatoire. Tout ça, c'est premièrement. Deuxièmement, naam, si elle peut convaincre son mari, naam, qu'elle le convainque. Et là, inshallah ta'ala, il n'y aura plus de problème. Maintenant, si naam, il veut la forcer, naam, et qu'elle peut faire cette chose pour lui, même si elle n'est pas convaincue, elle le fait pour lui, naam, elle peut le faire pour ne pas perdre sa famille, pour ne pas, par exemple,
qu'il la divorce, ou je ne sais pas, qu'il se sépare d'elle, ou je ne sais pas ce qu'il a dans la tête. Nam. Mais s'il était, nam, s'il pouvait comprendre, nam, il l'aurait respecté. Il aurait dit, puisque tu n'es pas convaincu de cette chose, alors ne la fais pas. Nam, tu as des délits, tu as tes délits. Allah Ta'ala va me demander à moi si je ne me suis pas circoncis, pas à ma femme. Ma femme, elle a ses délits. C'est d'adide que ce n'est pas obligatoire. C'est comme ça que normalement, il devait raisonner. Et la même chose, Naam, pour les filles, c'est-à-dire ses enfants. Naam, normalement, il ne circoncit pas la fille, mais maintenant, s'il va la circoncire, sa mère, qu'est-ce qu'elle doit dire? Elle doit se taire et le laisser faire ses choses. Naam, ce sont ses enfants, il ne va pas faire quelque chose de grave. Naam, qu'elle le laisse faire si elle ne peut pas le convaincre. Mais si elle le convainc, c'est mieux. Naam. والله عز وجل أعلم تفضل إن شاء الله لسويله. السلام عليكم يا شيخ. On a évoqué le fait de faire une promesse à son enfant en lui disant par exemple, si tu prends telle sourate, je te donnerai ceci, inshallah. Donc ma question, inshallah, est qu'il arrive qu'on fasse une promesse à un enfant, à l'enfant, et que entre temps, entre parenthèses, avant de lui donner la promesse, il fasse une bêtise qui va nous mettre en colère. Est-ce que le fait de lui dire qu'en punition, je te donne plus ce que je t'ai promis, car tu as fait une bêtise, rentre dans le péché, entre parenthèses, pas tenu son engagement, fermez la parenthèse, en espérant que ma question a été bien formulée. Jazakallahu khayran, et qu'Allah Azza wa Jal vous facilite votre retour prochain en Algérie auprès de votre famille. Amin. Tafadal Cheikh, Inch'Allah. Monsieur Abdullah, préparez-vous, Inch'Allah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je dis à Minajul Haq, Jazakallahu khayran, pour ses doigts. Naam. En principe, ce que je sais, Wallahu ta'ala alam, je demande à Allah ta'ala, naam, qu'il raffermisse mon cœur si je dis vrai. Si je dis faux, c'est le shaitan. Je pense que, naam, la bêtise qu'il vient de faire, ou la faute, naam, si elle n'a rien à voir avec la promesse, on doit tenir sa promesse. Car nous, on lui a promis que s'il apprenait tel verset par exemple, telle sourate, il aura telle chose. Maintenant il l'a apprise, il doit avoir cette chose. Maintenant pour la bêtise, on va le punir, naam, d'une chose qui n'a rien à voir avec la promesse. Mais si par exemple, naam, il n'a pas appris la sourate, c'est là que je le punis, je ne lui donne pas la promesse. Mais maintenant lui, il a fait ce qu'il allait faire, ce qu'il fallait faire. Tu lui as dit, si tu apprends telle sourate, tu as telle chose. Maintenant je lui donne sa chose. Je lui dis, voilà, pour ta bêtise que tu as faite, voilà, je vais te punir de ceci et de cela. Naam. Mais on doit tenir, inshallah ta'ala, ses promesses. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadlal le prochain. Assalamu alaikum. Mon épouse est convertie et elle est issue de la zina. Ses parents vivaient ensemble sans être mariés. Son père biologique l'a toujours élevée, elle et ses frères et sœurs. Elle se couvre devant lui et essaye d'appliquer au mieux les règles de la musulmane avec un homme étranger. Mais c'est très difficile pour elle, malgré son attachement à l'islam. Elle vit dans une autre ville et ne lui rend visite qu'une fois par an pendant une semaine. Puis-je la laisser chez son père biologique, sachant qu'elle sera accompagnée de sa sœur, qui est une jeune convertie également, et les rejoindront de temps en temps son autre sœur, également convertie. Et son frère vit là-bas, mais il travaille, il ne sera pas toujours présent. Si je la laisse là-bas, serais-je considéré comme n'ayant pas de jalousie pour mon épouse? Tafadda, Inch'Allah, Cher. Jazakumullah khayran. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, avant cela, je voudrais dire la sœur qui a demandé une fois un raqi, quelqu'un qui fait la ruqya sur Paris. Si elle est là, naam, qu'elle me la prenne. Il y a du nouveau pour elle, Inch'Allah Ta'ala. Je répète, la sœur qui avait demandé Ruqya au niveau de Paris. Si elle est là, Inch'Allah Ta'ala, qu'elle nous la prenne, bi'idna Azza wa Jalla. En ce qui concerne Monsieur Abdullah, naam, sa femme pratique bien l'islam, masha'Allah, ahsabu wa kadalik, wa la uzaki Allah ahadan. Pourquoi? Parce qu'elle se cache devant son père biologique. Je dis elle se cache, c'est-à-dire elle se voile. C'est comme ça que doit faire la musulmane devant son père biologique. Sauf si son père biologique se remarie avec sa mère. Maintenant, si le père biologique se remarie avec sa mère, même
un mariage de kuffar, son père biologique le kafir, avec sa mère la kafira. Ils se marient à la mairie, Akhlas, c'est devenu un mariage officiel, et en islam, là, elle peut se dévoiler devant son père. Naam. Donc, dans ce cas, puisqu'ils ne sont pas mariés, c'est toujours un étranger pour elle. Naam. Si elle va là-bas, naam, si elle va là-bas, chez lui, elle ne doit pas rester en tête à tête avec lui. Mais si elle reste dans une autre chambre avec ses sœurs, naam, ce n'est pas interdit. C'est comme si, par exemple, une sœur, par exemple, aller passer la nuit chez sa sœur, enfin sa sœur, pas sa vraie sœur, chez une autre sœur, et que cette sœur est mariée, mais elle a son mari n'a rien à voir, puisque elle va dormir seule dans une chambre chez cette famille, ou bien elle va dormir avec l'une des filles de cette famille, et comme ça, ce n'est pas interdit. Certains croient qu'il faut le mahram c'est quand on voyage, naam. Wallahu azza wa jal a'lam, naam. Tafaddal inshallah le suivant. منهاج الحق استغفر ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخ une sœur a donné mon numéro de téléphone à un frère par son mari pour le mariage sans que je le sache est-ce que je dois répondre à ce frère s'il m'appelle ou pas جزاكم الله خيرا تفضل شيخ ان شاء الله بارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته quand ce frère t'appelle pour le mariage نعم tu dois lui passer ton frère ou bien ton père. Naam. Quand tu sais que c'est lui qui appelle, tu appelles ton frère, tu lui dis, voilà. D'ailleurs, tu leur dis dès maintenant. Tu leur dis dès maintenant pour qu'ils ne soient pas, qu'ils disent pas comment on ne savait pas ces choses-là. Naam. S'ils acceptent dès maintenant, quand ils téléphonent, tu sais que c'est lui, tu donnes le portable à ton frère ou à ton père. Et lui dit, salam alaikum, en fait, ma fille m'a dit que vous alliez téléphoner, etc. Donc, Inch'Allah Ta'ala, dites-moi de quoi ça retourne. Et comme ça. Et qu'elle le laisse parler avec son mahram. Inch'Allah Ta'ala. Naam. Tafadla, Inch'Allah Ta'ala, le suivant. Amin. C'est à vous, Inch'Allah. Amin. Naam, faites attention, il y a un frère qui s'appelle Al-Ghuraba aussi. Mais c'est pas le même, en fait. Le Ghuraba, le vrai, c'est celui qui a FR à la fin. Umferdaous, Inch'Allah. Naam, voilà, c'est. Inch'Allah, naam. C'est le faux. C'est pas notre Ghuraba à nous. Inch'Allah. Le suivant, c'est Anas 69-120. C'est parce qu'elle est trop longue. Il faudrait la découper en plusieurs fois, Inch'Allah. Naam. C'est vrai, on perd beaucoup de temps. Vous mettez un ou Anas, vous avez fini. Salam alaikum, Cheikh. J'aimerais savoir s'il était autorisé à une femme de lire le Coran en étant dévoilée. Par exemple, une femme se retrouve seule chez elle. Est-ce qu'elle doit mettre le jilbab par respect au livre saint pour le lire ou un simple bandana suffit? Pareil, est-ce que le fait d'être en t-shirt est autorisé pour le lire? Jazakumullah khairan, qu'Allah vous récompense. Tafaddal, Cheikh, Inch'Allah, Hayakumullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je veux dire à cette personne, Inch'Allah Ta'ala, que ce n'est pas obligé d'être voilé pour lire le Coran. Ce n'est pas obligé d'être voilé pour lire le Coran, ni d'avoir quelque chose sur la tête. C'est-à-dire, en ayant les cheveux découverts, la sœur peut lire le Coran. Et ce n'est pas obligé qu'elle soit avec son jilbab, avec son hijab. Il lui suffit seulement qu'elle soit dans des habits, disons, comment je vais appeler ça, c'est difficile à dire, des habits, disons, respectables, c'est tout, des habits respectables. Pas par exemple, comme elle dit maintenant, un t-shirt, naam, où on voit tous ses bras, on voit un peu son buste, on voit, naam, il faudrait qu'elle respecte au strict minimum, naam, mais par contre, ce n'est pas obligé qu'elle mette le jilbab, ni qu'elle cache ses cheveux. Parce que, je vous dis comme ça, je vous dis cela, je connais des sœurs qui, miskinettes, ne savaient pas, et elles disaient que, même dans la maison, quand elle est seule, la femme doit cacher ses cheveux. On lui dit pourquoi? Elle dit parce qu'il y a les anges qui nous voient. C'est-à-dire que la femme doit même se cacher des anges. Et ça, c'est, subhanallah al-azim, c'est vraiment grave pour celles, yani, qui croient en cela. Naam. Mais alors, tout cela n'est pas vrai.
Non. Il y a même un faux pseudo, Mohamed Chalabi, attention. Où est-ce qu'il est celui-là? Allahu Akbar. Laisse-moi voir, il est là dans la salle, celui-là. Maintenant, on aura tout vu alors. Donc, je vais voir s'il y a un Chalabi. Non, attendez, voir. Il n'est pas là. Ah, il n'est pas là. D'accord, alors, pour ceux qui me connaissent, attention. Hein. Surtout ceux qui me connaissent bien. Attention, ils vont rentrer en PV avec celui-là. De toute façon, si jamais celui-là, si jamais celui-là, Naam, par exemple, il prend le micro et il parle, c'est un exemple, là, par exemple, Naam, vous savez que moi, quand je parle, je dis beaucoup Naam, je tousse beaucoup, Naam, et je ne crois pas que lui, là, il peut avoir ses défauts. Naam. Comment faire pour bloquer les PV? Tfadla, Inch'Allah, le prochain. Alhamdoulilah. Je ne crois pas qu'il puisse m'imiter dans la voix. Naam. Wallah Azza wa Jal, a'lam. Naam, tfadla. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Une sœur demande: Cheikh, j'ai entendu dans un de vos cours sur la salat, j'ai cru entendre que le voyageur ne regroupait pas ses prières, mais qu'il pouvait seulement les raccourcir. Est-ce que j'ai bien compris? Car je suis en désaccord avec mon mari qui lui dit qu'il est permis de regrouper la prière du voyageur. Barakallahu fikum ya Cheikh. Tafadhal inshallah. Hassanallahu ilaykum. Naam, wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je dis à cette sœur que Inch'Allah ta'ala, Naam, tu t'es trompé dans la compréhension. Naam. Et je dis que ceux et celles qui, cela fait 2 années à peu près, qui sont avec moi, Naam, ne peuvent se tromper en cela, car je le répète souvent et je le dis beaucoup. Naam. Mais il arrive qu'une personne soit nouvelle, Naam, et qu'elle entende une chose et elle n'est pas sûre, elle ne sait pas ce que j'ai dit. Donc je répète pour la salat, le fait de la raccourcir quand on fait un voyage est une chose très recommandée si elle n'est pas obligatoire. Beaucoup ont dit c'est obligatoire. Je parle de raccourcir. Et certains ont dit c'est très recommandé. Reste, regrouper, voilà ce que j'ai dit. J'ai dit que regrouper la salat dans le voyage, ça ne fait pas partie de la sunna du voyageur. Car certains mélangent, certaines personnes, et beaucoup même mélangent, croient que, puisque je suis en voyage, donc je dois quoi? Je dois raccourcir et grouper mes salats. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit non. Quand on est en voyage, on doit certes raccourcir ses salats. Reste à regrouper, c'est tout juste permis. Si tu veux regrouper, tu regroupes. Mais si tu peux aller à la mosquée pour faire la salat, si tu es un homme, c'est mieux pour toi. Naam. Car le fait de regrouper des salats n'est pas une sunna du voyage. C'est-à-dire que même en restant à la maison, des fois on regroupe dans la salat. Même en restant à la maison, des fois on regroupe dans la salat. Donc le regroupement de la salat, ce n'est pas une sunna du voyage. Car ça peut se faire même quand on ne fait pas voyage. Quant à raccourcir la salat, ça c'est quoi? C'est naam, vraiment une sunna de quoi? De la salat du voyageur. Inch'Allah ta'ala, que c'est clair. Si c'est clair, Inch'Allah, dites-le moi. Sinon, je recommence. Salam alaikum, Cheikh. Ma question est la suivante. Un frère résident en France est parti en Algérie pour essayer de trouver une sœur et se marier car il n'a pas réussi à en trouver une en France. Je voudrais savoir si j'ai le droit de lui proposer une sœur d'Algérie, tout en sachant que le frère compte faire la hijra en Algérie. Entre parenthèses, je précise que le frère en question est pressé de se marier, car il a peur de tomber dans la zina. Fermez la parenthèse. Barakallahu fikum. Tafadhal Cheikh, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Franchement, j'ai pas compris la question. Des fois, je deviens comme ça, yani, je comprends pas beaucoup. Naam, pourquoi alors Yanni lui propose pas? Quel est l'empêchement? Naam, je ne vois pas. Si quelqu'un peut m'expliquer, par exemple, pourquoi elle ne lui montrerait pas la sœur? Naam, pourquoi? Est-ce que tu peux m'expliquer? Naam, tu es en France et tu lui proposes une sœur qui est en Algérie. Et il va là-bas et se marie. Naam, où est le mal? Je ne comprends pas, Amin. Où est le mal? Toi, tu es en France
tu lui proposes une sœur qui est en Algérie et il va faire la hijra et il va se marier avec elle là-bas. Où est le mal? Bien au contraire, tu auras, inshallah ta'ala, des récompenses pour les avoir mariées. Naam, tu auras, inshallah ta'ala, des récompenses pour les avoir mariées. Donc je ne vois pas, inshallah ta'ala, où est le mal. Naam. Ah, voilà. Ah, c'est ce que je cherchais. Je savais qu'il y avait quelque chose derrière. Car il va la ramener d'abord en France. Naam. Naam. Ne prends pas cette responsabilité. Naam. Comme Amin, ne prends pas cette responsabilité. Elle va venir ici et peut-être que elle n'ira plus jamais en Algérie. Peut-être qu'il se passe quelque chose, elle ne va plus revenir en Algérie. Peut-être qu'elle va venir en France, naam, elle va ouvrir ses yeux, naam, et elle ne va pas accepter ce mari. Elle va le lâcher et elle va dire, j'ai trouvé un autre mieux que lui. Ou bien, je n'ai plus envie de me marier. Ou bien, demain, ils vont se marier. Et il peut mourir et elle va se trouver seule, elle va faire beaucoup de bêtises. Naam. Ne la fais pas venir en Algérie. Dis au frère, si tu veux, naam, je te mets en contact à condition que je suis sûr que tu ne vas plus revenir pour te marier là-bas. S'il dit comme ça, d'accord. Mais pour la faire revenir, ensuite, tu ne sais pas ce qui va se passer demain, il vaut mieux s'en abstenir. Allah Ta'ala te donnera les récompenses pour la bonne niya, pour la bonne niya. Naam. Beaucoup de femmes vont venir en France et elles vont dire, Subhanallah, on était dans une prison. Voilà la vraie vie. C'est ça la vraie vie. Paris, masha'Allah, je ne savais pas que c'était comme ça. Masha'Allah. Maintenant, elle va même faire des efforts. Laisse-nous de la hijra, on a envie d'argent, il n'y a rien en Algérie, on est tous pauvres. Naam. Ici, c'est l'euro, masha'Allah, c'est l'argent. Et comme ça. Naam. Wallahu ta'ala alam. On passe au suivant, inshallah ta'ala. Faisons du suivant le dernier, inshallah ta'ala. Tfadlal. En ce qui concerne la ourte, qui a besoin d'un mari. Chadli à deux. C'est à vous. Inch'Allah. Chadli à deux. Mettez un, inch'Allah, si vous avez fini. Salam alaykoum wa rahmatullah, cheikh. J'aimerais savoir dans quelle tenue la femme peut-elle prier, en djellaba et une écharpe ou bien en djilbab. Barakallahu fikoum, qu'Allah vous récompense pour tout le temps que vous nous accordez et vous facilite votre hijra en Algérie. Amin. Tafaddal, Cheikhana. Barakallahu fikoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Quand la femme fait la prière, en principe, elle doit avoir un vêtement spécial, par exemple pour la prière. Elle le laisse comme ça, toujours propre, naam, à la portée. Ce n'est pas comme ça, elle est de la cuisine avec, ou de la salle de bain avec l'odeur, etc. Elle va à la prière. De préférence, elle a un vêtement spécialement pour la prière, naam. Dès que c'est le moment de la prière, elle le met. Elle le met et elle fait la prière avec. Elle le laisse comme ça, tout le temps de côté. La meilleure prière, c'est, naam, si elle mettait par exemple son djilbab. Ce serait la plus parfaite. Sinon, c'est permis aussi qu'elle mette quoi? Ce qu'on appelle maintenant une djellaba. La djellaba qui se met sur les épaules. Sur les épaules et un foulard sur la tête, à condition que la djellaba descende jusqu'à couvrir ses pieds. Sinon, elle met les chaussettes. Elle met les chaussettes, naam, si la djellaba ne touche pas le sol. Naam. Et la djellaba, il faut qu'elle soit assez large pour que elle ne montre pas les formes de son corps. Et pour que lorsqu'elle se prosterne aussi, surtout lorsqu'elle se prosterne, on ne voit pas naam, les formes de sa aura. On ne voit pas les formes de sa aura. Il est minuit et quelques, naam, je m'arrête, inshallah ta'ala, ici. Des sœurs demandent si possible ce soir des pives avec vous, votre épouse, inshallah ta'ala. Pas ce soir, inshallah ta'ala, naam. Ce soir, il y a des gens qui m'attendent, j'ai donné rendez-vous à d'autres, inshallah ta'ala, naam. Mais inshallah ta'ala, pour la prochaine fois, je vous donne rendez-vous mercredi, inshallah ta'ala, dans le dars de la Aqida. Barakallahu fikoum d'avoir assisté. Que Allah Azza wa Jal raffermisse nos cœurs, nous aide, nous bénisse notre temps, notre argent, nous guérisse et nous aide pour la hijra et nous aide pour l'adorer Azza wa Jal afin qu'il nous fasse rentrer son paradis et nous épargne de son enfer. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته